Salut, salut! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc il est 7h43, très précisément, voilà, tout simplement. Je suis prête, j'attends ma belle-sœur qui va me chercher à 8h20 pour aller au rendez-vous à l'école de Georges. J'ai Chico qui est dans mon dos. Peut-être dézoomer un peu, non? Je sais pas ce que j'ai foutu. Mon trépied, il est un peu bancal. Voilà, c'est mieux. Mais bouge-toi, Ludo. Je vais pas me bouger, là. Donc, voilà, petit week-end. Week-end de fou, en fait. Donc, samedi, vous avez vu, je vous ai montré dans le dernier vlog, le weekly vlog de dimanche dernier. Donc, je vous le remets dans le petit i, si jamais vous l'avez pas vu. J'ai vu Manon, on a fait l'échange de swap, vous avez eu le swap mercredi, le crash test vendredi, mais moi je vais le tourner aujourd'hui. J'ai trop hâte de tester tout ça, voilà. Et dimanche, il y a ma belle-sœur qui est passée avec mon beau-frère et le petit. Ça faisait un bout de temps qu'on les avait pas vus. Bon, moins que ma mère, j'avoue, mais voilà, ça nous a fait du bien de voir un peu le petit. Mais j'étais crevée, un week-end de folie quoi, j'étais épuisée. Ce matin je suis réveillée depuis 5 heures, encore une fois, ça m'énerve. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai le rendez-vous scolaire là à 9h. J'espère que ça va aller vite parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec la préfète, j'ai encore avoir envie de la taper. Ensuite quand je rentre, il faut que j'aspire mon poil, appelé, que je le recharge puisque personne ne me l'a fait, hein, des messieurs, il n'y a aucun qui me l'a fait, donc je vais devoir le faire moi-même. Les bruits de cochon, comme d'hab, c'est Lilou qui est juste à côté de moi. Et ensuite, j'irai tourner le crash test donc, du swap que vous avez eu vendredi. Et pendant que je ferai le montage, et pendant que le montage enregistrera, il faudra que je nettoie. Voilà, encore du rangement, comme d'hab. Hein, la table, elle était nickel vendredi. Et là, c'est de nouveau un foutoir sans nom. Donc voilà, encore toujours ranger cette table. Et nettoyer, et bon, je crois que la journée sera déjà pas mal entamée, donc voilà. Sinon, j'avais rien de particulier à vous dire cette semaine. Je fais rien cette semaine, de toute façon, à part aujourd'hui que je dois aller à l'école, le reste de la semaine, ça va être principalement du tournage de vidéos pour la semaine de la Saint-Valentin, qui est la semaine prochaine pour vous. Donc à partir de la semaine prochaine, on se retrouve tous les jours pendant 15 jours. Voilà, normalement, hein, si j'ai bien calculé mon coût. Lundi, vous avez donc la vidéo bonus make-up. C'est une palette à make-up cette fois-ci. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. Ensuite, du mardi au samedi, une vidéo par jour où je vous présente une autre youtubeuse que j'apprécie, comme je fais depuis 2 ans de suite, là. J'avais fait une fois les youtubeuses, une fois les instagrammeuses. Donc là, on refait les youtubeuses. Voilà, ce sera une palette de make-up avec chacune. On a cherché des palettes qu'on avait en commun et on fera un make-up chacune avec la même palette. Quoi. C'est juste histoire de partager. Voilà. Et donc, dimanche prochain, le Weekly Vogue encore. Et lundi d'après, une palette 3 looks, je crois. Je ne sais plus, enfin, la vidéo bonus. Et ensuite, on attaque avec les swatches et make-up de toutes les palettes que j'ai eues dans le swap avec Manon. Voilà. Donc, le 17, mes cadeaux d'anniversaire. Et puis voilà, je sais plus trop comment ça va, mais bon, pendant 15 jours, on va se voir tous les jours, quoi. Voilà, voilà. Sinon, je vais vous laisser là pour l'instant. Je sais pas si j'arriverai à vous reprendre un petit peu aujourd'hui. Parce que ça me rentre plus tôt, normalement, aujourd'hui, vu que ma belle-sœur, à mon avis, va le reprendre en même temps que ma nièce. Donc, je sais pas. On verra bien comment ça se goupille, comme d'hab, quoi, au fil de la journée. Je vous dis tout le temps la même chose, mais voilà. Donc là, vous avez de la chance, vous n'avez pas le poêle à peler en fond, puisque je ne l'ai pas encore allumé, vu que je dois l'aspirer. Donc je ferai ça en rentrant, parce que là, j'ai pas la force, je n'ai pas les foies, là. Je suis... c'est le lundi matin, quoi. Voilà. Donc on se retrouve un petit peu tout à l'heure. Je vous prendrai peut-être après ma vidéo pour vous faire un petit débrief de ce que j'ai testé. De toute façon, vous aurez déjà eu la vidéo, donc ça va. Et voilà, à tout à l'heure. Alors, il est midi 2, donc je viens de finir de tourner ma vidéo, ça a été très compliqué. J'ai foiré mon liner ici, hein, voilà.
On s'en fout. Le make-up est très joli. Hein. Les paillettes sont canon. L'highlighter, je vous en parle même pas. J'adore. J'adore. Voilà. Merci Manon. J'adore tout. Donc, je vous reprends rapido pour clôturer la journée d'aujourd'hui parce que maintenant, je vais aller faire montage, mangeage, ménage. Donc, rien de très intéressant pour vous. Et j'attends que le monsieur vienne chercher la voiture. Donc, là, rangage d'abord de tout mon bordel. Et voilà. Donc, oh, j'ai oublié de dire que j'aimais bien le crayon aussi. Bref. Donc, on se retrouve demain de toute façon. Mais là, il faut vraiment que j'aille manger. J'ai la dalle. Quelque chose de faramineux. Et voilà. Donc, vous, on se retrouve tout de suite. Moi, ce sera que demain. Alors, il est 7h39, très précisément. Donc, je vais poser mon téléphone. Vous allez m'entendre peut-être un petit peu moins. Genre, j'ai parti à l'école. Hier, je vous ai pas pris beaucoup parce que il s'est rien passé de... J'ai même pas fait mon ménage hier. J'étais épuisée. J'ai passé beaucoup de temps sur le montage. Alors, pas que j'ai fait des trucs de foufou, hein. Mais juste, j'ai discuté en même temps avec Amy et Manon. Donc, je faisais pause à chaque fois. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour le montage. Il y a eu beaucoup de temps pour l'enregistrement. Et beaucoup de temps pour la publication après. Vous n'êtes pas droit encore, hein. On s'en fout. Donc là, j'ai mis en route la machine avec le linge de Georges. Donc j'attends que l'électricité saute. Voilà, c'est pour ça que mon poêle à pelée n'est pas allumé. Il me reste une petite quinzaine de minutes, 20 minutes. Donc je vais faire mes soins avec vous. Voilà, tout simplement. Mes petits soins du matin, je ne les ai pas encore faits. Et comme après je dois faire une vidéo, il faut que j'aille assez vite. Donc voilà, je commence par donner un coup de coton avec de l'eau de rose de chez Action, tout simplement. Elle est très bien et ça rafraîchit bien, ça réveille et ça permet aussi d'hydrater, de nettoyer la crème que vous avez mis la nuit, tout ça. Enfin, voilà quoi, ça nettoie. Donc, je commence toujours par un coup de coton pour commencer toute chose. Bien, le cou aussi, je suis fatiguée, hein. Enfin fatiguée, j'ai bien dormi. J'ai été me coucher à quelle heure hier? 10h. Ouais, je crois, un truc comme ça, 10h, 10h30. Non, 10h. Voilà. Ah, ça réveille tout de suite. Ensuite, je donne un coup de coton. Donc là, je prends un jetable puisque j'en ai plein et qu'il faut que je les utilise. Et un coup de tonique de chez... Un Fast Toner Refreshing Face Toner de chez Action aussi. J'ai fini les deux de chez Révolution. Donc voilà. Donc j'utilise celui-là. Ils sont bons. Il sent super bon, il sent un peu le propre. J'aime beaucoup l'odeur et c'est vrai qu'il rafraîchit, il réveille encore plus. Voilà, j'aime bien. Franchement, puis vu le prix et la contenance, quand je retourne chez Action, je me reprends tout de suite un backup. Alors les bruits de cochon, encore une fois, c'est pas moi, hein, c'est Lilou. Comme d'hab. Voilà. Ensuite, je donne un coup de brume, donc c'est toujours celle de chez W7. Elle se termine pas, c'est ça qui est bien, c'est qu'elle dure très longtemps. Donc c'est à la pastèque, c'est juste de l'hydratation en plus, hein, étape que je sauterai après une fois que j'aurai terminé mes brumes que j'ai d'avance, parce que je me rajoute une étape pour pas grand-chose. Si, ça me fait toujours de l'hydratation, mais comme je prends des sprays fixateurs de maquillage hydratant... Je pense pas que ce soit indispensable comme étape, quoi. Donc là, je vais laisser sécher un petit peu, mais pas entièrement, puisque après, je mets mon contour des yeux. Ah non, d'abord, je mets le sérum, donc je dis n'importe quoi. Donc voilà, là, c'est déjà quasi sec. Ensuite, je vais mettre un coup de sérum. Donc c'est le organique et botanique que j'avais eu dans le calendrier de l'avant fait par Lily Muse, que j'ai mixé avec le glow, je sais plus quoi, là. De chez Action, puisqu'il est beaucoup trop liquide, mais il est quand même toujours aussi liquide. Il passe à travers les doigts, donc c'est hyper chiant. On n'arrive pas bien à en prélever avec la pipette. Voilà, donc là, hop, petit coup de sérum. Il est bien, hein, il hydrate bien et tout. Voilà, il pénètre super vite dans la peau. Ouais, je suis presque au bout, là. Je sais pas ce qu'il me reste. Un peu moins de la moitié, je crois. Alors ensuite, je mets mon contour des yeux. Donc là, c'est le Ziaja à la vitamine E.
J'essuie au persil pour le soir. Il conseille de mettre le soir. Il est plus épais encore. Mais celui-ci est déjà pas mal épais. Après, c'est des bons petits contours des yeux, pas très chers. Bien que j'ai commandé les autres là de chez Revuel. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Revuel, mais... Sur Maki Beauty, j'ai fait une commande de soins. Revuel, là, tout était à 1€. Donc j'ai pris deux sérums, un sérum. J'ai pris deux contours des yeux, j'en ai pris un pour le matin, un pour le soir, parce que j'aime bien faire ça. J'aime bien mettre un tenseur la journée et un hydratant le soir. Donc j'ai pris deux contours des yeux, un sérum, ou deux, je ne sais plus. Ouais, deux sérums et une crème de jour liftante. Donc j'attends de les recevoir, hein. C'est très long, je trouve. En plus, comme on peut plus passer à frontière, j'ai fait livrer en mondial relais français, mais comme on peut plus passer à frontière, c'est mon frère qui va devoir aller me le chercher. Pour économiser 5€ de frais de port et pas le faire livrer chez lui, ben c'est quand même lui qui va devoir courir. Donc voilà pour le contour des yeux. Et je termine avec ma crème de jour. Donc là, je viens d'entamer la Ziaja depuis hier, puisque j'ai terminé la Révolution, là, le petit pot bleu. Elle est d'enfer, quoi. Je l'ai utilisée que hier. Donc c'est une antioxydant, c'est à berry et acai. Acai, je sais toujours pas comment ce qu'on dit. Hein. Acai, je crois. Donc elle est c'est, ouais, antioxydante, hydratante. Franchement, j'aime beaucoup. Il en faut que très peu. Là, je crois déjà que j'en ai pris trop. Elle pénètre super vite dans la peau. Elle hydrate d'enfer. Elle sent super bon. Franchement, les produits Ziaja, j'adore. Plus j'en utilise et plus je les adore. Ah, la machine commence à essorer, les gars. Donc, vous avez vu que j'ai fait mes petites tresses. Donc, ça sent les bouclettes pour la vidéo que je vais tourner aujourd'hui. Hein. Mais je les défrais après avoir fait mon teint. Comme ça, mes cheveux n'en piquinent pas. Voilà. Ah, elle sent divinement bon, cette crème. J'adore l'odeur. Ensuite, je finis avec un petit baume à lèvres, mais là, je l'ai oublié dans mon bureau. Donc, je vais aller faire ça tout de suite à côté. Donc là, je vais... Ben voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, ça a sauté, bien sûr. Vivement qu'on change cette machine-là. Normalement, ce mois-ci, j'arriverai à aller en chercher une autre. On va bien voir comment ça avec les finances, parce que là... Janvier, c'est toujours le mois où on a toutes les assurances qui tombent en même temps. Bien qu'on avait demandé que les assurances ne tombent pas en même temps, mais on se retrouve avec 1000 balles d'assurance par an. Hein. Voilà, bref. Donc, petit bilan de mes économies du mois, puisque janvier est terminé hein, officiellement, puisque là, on est le 2 février, je crois. Quelque chose comme ça. Attendez, je vérifie. Ouais, on est le 2 février, donc je suis à 45 ou 49€ de monétisation ce mois-ci, donc c'est très peu. C'est la moitié de ce que j'ai d'habitude, sauf que ben, en janvier, avec les soldes, c'est toujours moins bien payé, les pubs, hein. Ça c'est janvier-février, c'est toujours minime. Vente vintage, j'ai pas refait beaucoup de ventes, j'ai fait 10€, je crois, c'est très peu encore. Bon, j'ai toujours ma réservation à 53€, là, que j'attends avec impatience. Et j'ai mis de côté, donc, tout mon budget make-up du mois et mon abonnement Basic Fit que j'ai arrêté, que j'y allais plus. Donc, ça me fait 185€ par mois de côté. En sachant que j'ai quand même des petits achats hein, par-ci, par-là. Donc, même si je limite, j'achète quand même de temps en temps des petites choses, quoi. Surtout là, avec les soldes, ça valait le coup. Notamment les soins chez Maki Beauty là. Et comme j'ai de nouveau un swap en préparation, mais pour fin d'année, hein, donc voilà, je vais acheter de temps en temps, profiter des promos et tout ça. J'ai fait une commande Colourpop aussi, qui d'ailleurs ne bouge pas du tout. Ça commence à me gaver. J'ai passé commande le 19 janvier, on est le 2 février et elle est toujours en processing. Bref. Donc là, je suis à 350€ de côté depuis décembre. Donc, ça très bien. Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, je ne vais pas faire d'achat. Sauf si je trouve vraiment une bonne promo pour un swap. Je me suis lâchée avec le produit pour les sourcils Anastasia. Là, donc, je ne vais pas trop me lâcher sur d'autres trucs maintenant. Sinon, j'avais pas grand-chose d'autre à vous dire. Là, je vais fermer sourcils. J'ai pendu la machine de Georges.
Il faut que je fasse mon montage du vlog de la journée d'hier, puisque je ne l'ai pas fait hier, vu que j'ai pris beaucoup de temps pour la vidéo du crash test du swap. Donc voilà. Donc je vais faire ça, puisque comme c'était une petite journée, ça va aller super vite. Comme ça, mes soins pénètrent encore un petit peu, quoique là, ça a l'air bon. Après, je ferai mes sourcils, je me change, je me fais mon teint et j'irai faire ma vidéo. Voilà, donc vous aurez du spoil pour la semaine de Saint-Valentin, mais je vous explique pas dans ce vlog. Parce que là, je vais essayer de garder ma semaine d'avance en vidéo, donc voilà. Je sais pas, je vous montrerai pas aujourd'hui, mais peut-être dans la semaine, comment je fais mes sourcils du coup avec le produit là. J'en mets quand même plus maintenant pour que ça tienne vraiment bien. Et comme je vous ai dit dans le crash test du swap, par rapport au savon et au prix, je pense pas que ce soit vraiment super, super mieux quoi. Ça laisse ça fait un tout petit peu plus naturel quand on l'applique. Les sourcils sont un tout petit peu plus souples, mais comme je dois en mettre plus pour qu'ils soient vraiment bien coiffés et qu'ils ne bougent pas, on sent quand même la matière. Donc ça fait à peu près, par rapport au savon, c'est kiff-kiff. Donc je ne vous le conseille pas forcément, sauf si vous voulez vous faire un petit plaisir. Moi je vais l'utiliser maintenant, hein. Je vais utiliser que ça jusqu'à ce qu'il soit terminé, puisque le savon, hein, ça risque pas de se périmer ou de sécher. Mais j'ai tellement de stock de savon qu'après je retournerai à mon savon. C'est très bien comme ça. Voilà, voilà! À tout à l'heure. Voilà, je viens de finir de tourner ma vidéo. Donc là, il est 10h26. J'ai faim. C'est un truc de fou. Donc, vous avez un petit spoil du fond de vidéo de Saint-Valentin. Un spoil de mes make-up. De toute façon, vous allez avoir des spoils toute la semaine. Puisque je dois faire tous les make-up là, tous les jours. Donc, voilà. Mais je vous dis pas avec qui. Je vous dis pas avec quelle palette. Et tout ça, vous verrez à partir de mardi. Voilà. Bien entendu, je viens de finir de filmer. Donc, je dois pisser et j'ai envie d'un café. Je suis très routinière, hein, c'est un truc de fou chez moi. Alors je viens de passer une heure à régler mon anneau lumineux qui s'est encore cassé. Normalement il était sur un trépied comme ça devant mon trépied pour l'appareil. Mais j'ai le pas de vis de l'anneau lumineux qui s'est cassé. Il est tombé une fois et ça s'est pété. Donc, il tenait avec du patafix et du ruban adhésif et tout pour essayer de le faire tenir. Et là, ce matin, je suis arrivée dans mon bureau. Il s'était cassé la gueule pendant la nuit. Merci. Et du coup, je viens de le fixer directement au trépied de mon appareil avec du fil de fer. Voilà. Avec, bon, tout un bordel. Mais alors, vraiment, tout un bordel. J'ai quand même de passer une heure à trouver une solution, hein. Mais bon, au moins, je gagne un peu de place sur mon bureau. D'ailleurs, j'ai mon miroir qui part en couille. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais aller maintenant de ce pas attaquer le montage de la première vidéo. Je vais d'abord aller faire pipi et un café, comme d'hab. C'est incroyable. Je suis réglée comme une pendule. Vous savez, on dit que les chiens, ils ont une pendule interne. Là, ils vont venir me casser les bonbons parce que c'est l'heure de manger. Et eh bien, moi, c'est pareil. Je suis réglée comme une horloge. Un truc de fou. Quand je vous dis que ma vie est tellement passionnante, tous les jours, je fais la même chose. Voilà. Il faut que je fasse mon ménage aussi, mais j'ai tellement pas la force. Mais il faut. J'aurais pas le choix. Donc, je sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, puisque... Georges, il rentre plus tôt. Normalement, hier, il n'est pas rentré plus tôt, vu que ma nièce ne finissait pas plus tôt. Donc, ma belle-sœur n'a pas été chercher ma nièce, donc elle ne m'a pas ramené Georges. Aujourd'hui, normalement, ils finissent tous les deux plus tôt, donc elle devrait me le ramener plus tôt. J'ai froid, comme d'hab. Je peux éteindre mon chauffage, d'ailleurs. Hop là. Donc, j'espère que le fond vous plaît. Mon coussin n'a plus vraiment l'air d'un cœur. Hein. Il n'a plus très la forme d'un cœur. Hein. Il est vieux. Hein. Très vieux. Ça vient tous les deux de chez Ikea, la lanterne et le cœur là. Le cadre là, c'est un que j'ai en bas normalement dans ma salle à manger. Ça venait de chez Action quand on a emménagé. Donc ça fait 6 ans quoi. 5 ans. La petite carte de Manon et puis mon petit lapin. Voilà. Comme ça. Bref, on s'en fout. Donc bah, je vous dis soit à tout à l'heure, soit à demain. Je ne sais pas encore. Il est midi, 11h53, donc là je vais bientôt manger. J'ai le montage de ma vidéo d'aujourd'hui, enfin que j'ai filmé aujourd'hui, qui enregistre, qui va bientôt être terminé. Comme ça après je pourrai tout de suite la programmer sur YouTube et je serai tranquille.
J'ai lancé un lave-vaisselle, j'ai passé mon petit coup de balai, donc après je vais nettoyer, mais après manger, parce que j'ai vraiment très faim, mon estomac me fait mal tellement j'ai faim. Donc voilà, je crois que la journée est bien lancée, donc c'est chouette. Voilà, j'ai rien d'autre de particulier à faire aujourd'hui, sauf attendre le monsieur qui doit venir chercher la voiture qui n'est pas venu hier, donc je ne sais pas s'il va venir aujourd'hui ou pas, on verra bien. Faut que je prépare ma machine pour la faire tourner demain matin mon linge à moi, en espérant que ça ne saute pas cette fois-ci. Mais bon, c'est pour ça que je la lance très tôt le matin quand je me lève à 6h, parce que sinon ça saute en plein milieu de la journée et c'est chiant. Donc là, je fais tout avant d'allumer mon poêle, comme ça fait déjà un appareil en moins d'allumé, et voilà. Sinon, voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire de spécial. Je vais voir au courrier, tiens, j'ai oublié. Ouais, je vais faire ça. Si jamais il y a quelque chose d'intéressant, je reviens vers vous. J'attends mes housses. J'ai commandé mes housses sur AliExpress, mais bon, je sais pas quand est-ce que... Ça prend du temps, hein, en ce moment, AliExpress. Donc, j'ai pris 3 housses pour mon canapé, vu qu'il est en forme de U. Donc, j'en avais quand même pour presque 50 balles. Mais c'est moins cher qu'ailleurs. Donc, voilà, je suis contente. J'ai pris en kaki, bien évidemment. Oh, surprise. Et voilà, j'ai hâte de les recevoir pour les mettre sur mon canapé et ne plus avoir tous ces plaids que je dois toujours remettre en place toutes les 5 minutes à cause des chiens. J'en mettrai quand même sur l'assise hein, pour les chiens quand même, puisqu'ils vont sur le canapé. Donc voilà, j'ai recommandé un vernis kaki aussi, un noir aussi, puisque le Beauty Luxe là j'aimais pas, donc j'ai repris un Elite 99 noir. J'ai pris un thermique vert et blanc. Et je crois que c'est tout. J'attends toujours ma plaquette de crayon, la You Can Be, puisque j'ai hâte de voir s'ils sont bien ou pas. Et sinon, j'ai juste commandé les housses. Je m'étais recommandé aussi 4 crayons pour les sourcils, le Foera, là, que j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise tout le temps, de toute façon, en ce moment. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à attendre tout ça, mais c'est très long, les livraisons AliExpress, hein. Très long et pas très sûr, puisque j'ai beaucoup d'erreurs dans mes colis, quoi. C'est vraiment chiant. Après, je commande plus des masses, donc voilà, mais quand même, c'est chiant. Bref, bon, je vais voir au courrier. Si jamais il y a quelque chose, je reviens vers vous. Sinon, je vais bouffer parce que j'ai faim. Alors, il est 13h30. Ça va, je viens de finir de nettoyer. Ah, ça fait bien. Voilà, c'est quoi qui est rouge à Noël? Ah, c'est mon pyjama de Noël. Ça peut être que je le lave et que je le range. Voilà, tout simplement, j'ai terminé. Là, j'attends Georges qui finit dans 40 minutes, 50 minutes les cours. Je suppose que ma belle-sœur va le ramener d'ici une heure. Donc là, il reste 14 minutes d'importation pour ma vidéo de mardi. Et voilà, tout simplement. Donc là, je pense que maintenant, j'ai bien mérité de glander. Achou ! J'ai pas fini. Achou ! Ah, mes souhaits ! Voilà, je pense que maintenant, je vais glander le reste de la journée. J'ai lavé mes goupillons, mes éponges pour demain. J'ai fait pas mal. Bon, il resterait bien un bon coup de poussière à faire, mais je peux pas tout faire le même jour, sinon je tombe. Donc ça sera peut-être pour demain. Voilà. Par contre, je crois que je vais devoir attendre pour mon cadeau d'anniversaire le mois prochain. Parce que là, avec les assurances qui sont tombées, plus le dentiste qui arrive, on ne sait pas pour combien je vais en avoir. Plus le dermato pour Sam, que ça sera 50€ déjà. Donc je pense que je vais devoir attendre le mois prochain pour aller chercher mon cadeau de la part de mon monsieur, enfin, que je lui impose de me faire, hein, mais voilà. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Après, si je dois attendre 15 jours, c'est pas non plus la fin du monde. C'est juste des portes et des tiroirs pour mon meuble, donc c'est pas grave, quoi. Mais voilà, comme ça, on verra bien. Là, pour la vidéo du 17, de toute façon, j'ai les cadeaux des copines, donc... c'est déjà sympa et le reste, ça sera pas du make-up, je pense. Donc, c'est comme ça, c'est très bien. Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sais pas combien de temps j'en suis aujourd'hui. Je pense que le vlog risque d'être un peu plus court que d'habitude, puisque je vous dis, ça sera une semaine vraiment à part filmer et monter et publier. Je vais pas faire grand-chose. Donc, ça risque d'être très chiant pour vous.
Il y a juste que de temps en temps, je vous prends avec moi pour papoter, pour pas être toute seule. Et voilà, là, je vais aller remettre mon pull de pyjama parce que je suis gelée. J'en peux plus d'avoir froid comme ça. Enfin, là, j'ai plus très froid vu que j'ai nettoyé, mais ça va revenir dans 5 minutes. Donc, je pense que je vais faire ça. Là, quand Georges y rentre, il faudra qu'il vide le lave-vaisselle. Et la journée sera vraiment bien tranquillou pour le reste de l'après-midi. Voilà. Donc, on passe de jour. Okay, coucou. Alors, il est 8h18, très précisément. Vous ne voyez pas beaucoup, là. Vous voyez mon linge? Le linge de Georges n'a pas fini de sécher, donc je vais attendre demain pour faire mon linge à moi. Voilà, voilà. Donc la journée tranquille encore. Enfin, filmage, quoi. Filmage, montage, compagnie. Voilà, voilà. Là, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils, du coup, maintenant, avec ça. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je vous conseille pas forcément plus que le savon. Voilà. Donc là, j'en suis à mon deuxième demi-litre de café. Là, je vais me préparer, faire mon teint devant Esprit Criminel. J'en suis à la saison 7, épisode 16. Ça a pris un peu de retard puisque j'ai regardé les Winx entre-temps sur Netflix et que j'ai essayé de rattraper un petit peu du retard que j'avais en vidéo des copines. Enfin, pas que des copines d'ailleurs, parce que même chez Marion, j'ai du retard. J'en ai encore au moins 4 que j'ai pas vues. Je sais pas comment je fais mon compte pour prendre autant de retard sur les vidéos. Voilà, bref. Donc là, je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Donc je prends mon miroir. Je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez un peu mieux. Je vais quand même enlever mes lunettes. Et du coup, je prends le produit forcément, sinon ils ne vont pas tenir tout seuls. Je prends mon goupillon et je racle. Mais du coup, il faut que j'en prenne plus pour qu'ils tiennent vraiment bien. Donc je racle un peu dedans, je chipote. Je racle un peu sur le bord, j'en reprends. Enfin, c'est du chipotage autant que le savon, donc sauf qu'il ne faut pas l'humidifier. Voilà, et je ne sais pas si vous allez voir ce que j'ai sur le goupillon. Mais là, il y en a déjà pas mal. Allô? Et des fois, je dois en rajouter. Donc finalement, ce n'est pas si avantageux que ça. Et là, je les plaque directement vers le haut. Donc, je ne vois pas très clair. Je vais baisser ça et m'éclairer avec mon écran. Voilà, il est à fond. Et donc je les coiffe tout simplement vers le haut, j'étire. Celui-ci en ce moment il veut plus se mettre correctement, hein. Je sais pas ce qu'il a. Mes sourcils me font la guerre. Qu'il faut les travailler encore plus qu'avec le savon. Alors après c'est peut-être moi parce que j'ai pas encore l'habitude, hein. Mais c'est limite un achat que je regrette. Pas que je regrette parce qu'il est pas bien, mais parce qu'il était vraiment pas indispensable, quoi. Bah, après je le savais qu'il était pas indispensable, mais comment vous dire, c'est pas la découverte du siècle, quoi. Comparé au savon, il n'y a vraiment pas de différence. Alors là je pense à envoyer un message à Indy d'ailleurs pour lui dire, m'avait demandé mon un retour. Voilà, ensuite je les plaque encore avec la canule, hein, comme je fais pour le savon. Et on fait l'autre, hein, forcément, sinon ça fait bizarre. Mais je crois que finalement il va s'user assez vite. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'il en faut quand même pas mal, hein. Mine de rien. Bon, je voulais le tester, je suis contente de l'avoir testé, mais non. J'aurais dû plus réfléchir à mon achat, en fait. Mais faut être pris pour être appris, comme on dit.
Après, on est d'accord que pour un produit à sourcils Anastasia, c'est pas hyper cher non plus, hein. Comme la pommade, la Deep Pro pommade, puisque ça dure quand même assez longtemps, ça. Celui-ci, je sais pas encore exactement, mais comparé au savon, vous en avez pour une vie avec un savon, quoi. Même si vous comptez un savon par an, et encore, je crois qu'on fait facilement plus d'un an avec, hein. Moi, j'ai utilisé pendant 8 mois et je peux encore l'utiliser quelques mois. Ça revient quand même vachement moins cher, quoi. Et pas pour un rendu pas si différent que ça, quoi. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il garde un petit côté un peu gélatineux. Donc là, j'en reprends juste sur la pointe pour en remettre, pour bien les fixer et qu'ils restent bien plaqués toute la journée. Donc je vous dis, c'est pas avantageux du tout. Après, il fait son job, hein. Si vous voulez vous faire plaisir, chacun est libre, hein, mais... Je me suis fait plaisir parce qu'il m'intriguait vraiment, mais j'aurais mieux fait de me faire plaisir sur autre chose, quoi. On va dire ça comme ça, voilà. Et je vous dis, je trouve qu'il doit se travailler plus que le savon. Voilà, ça restera comme ça, moi je dis, on est pas mal. De toute façon, je vais attendre que ça sèche, puis je vais les rebrosser un coup avec un goupillon sans produit, et puis voilà. Voilà ce que ça donne. Mais comme je vous dis, franchement, restez sur le savon si vous faites vos sourcils au savon. Voilà, voilà. Donc moi, je vais faire mon teint en achevant mon épisode d'Esprit Criminel, n'est-ce pas? Et je vais aller faire ma vidéo. Et voilà. Donc après, je fais le montage et puis j'attends Georges parce qu'il rentre à 1h aujourd'hui. Vu qu'on est mercredi, il rentre plus tôt. Donc voilà. Je vais remettre mes binocles pour voir ce que je vous dis. Donc on se retrouve peut-être un petit peu après, quand Georges y rentre peut-être. Je vous dis ça à chaque fois, mais jusqu'à maintenant vous ne l'avez pas vu encore en vlog, hein, pas beaucoup. Donc voilà. Ah, il pleut comme vache qui pisse dehors. Il fait un temps dégueu. Il y a du vent et ça tombe. Je recharge mon poil aussi, je pense. Et ça y est, j'ai le nez qui coule. Donc on se retrouve avec ma tête défraîchie du matin. J'ai déjà fait mes soins. Il est 8h04. Donc, Georges n'est pas à l'école. Parce que. Donc, il fait un peu son plus vieux, mais j'ai pas allumé toutes les lampes. Je viens de faire tourner une machine, ça a sauté. Donc, voilà. Il a chopé la gastro de son frère, je pense. Donc, là, il y a mon trépied parce que je dois pendre maintenant ma machine. Je dois aspirer mon poil, brosser mes dents et aller vite faire ma vidéo avant que DJ arrive, puisqu'elle vient ce matin. Donc, hier, je vous ai pas repris parce que j'ai fait ma sieste de grand-mère. Attendez, je vais quand même essayer de cacher un peu le trépied au maximum. Voilà, DJ vient à l'heure. Oui, hier, j'ai dormi. Je me suis endormie comme un gros caca, encore une fois. Je fais du bruit, désolé. J'ai été me recoucher vers 1h30, je crois. Je plantais plus rien, j'étais crevée. Et du coup, ben, je me suis réveillée, il était 3h30. Donc après ça ne servait plus à rien que je vous prenne, j'ai rien fait d'autre de toute façon. De toute façon la matinée ça a été montage et publication de vidéos et tout ça. Donc voilà. J'ai rien fait de très intéressant. Bah, de toute façon toute la semaine ça va être comme ça, je pense. Donc ça risque d'être un vlog assez court et très chiant. Mais vous aimez quand je suis chiante, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Donc là. J'ai mes cheveux qui sont emmêlés à mort cette nuit. Donc on met un petit peu d'huile pour les assouplir et hydrater les pointes. C'est passionnant ce que je raconte, n'est-ce pas? Donc voilà, petit programme de la journée. Ouais, il y a DJ qui vient. Il faut que je fasse ma vidéo. Et si je suis motivée, que je me démaquille, je fasse une deuxième parce que... pas que j'ai pris du retard, mais j'ai envie de prendre plus d'avance. Tout simplement, parce qu'avec la semaine de la Saint-Valentin, c'est assez compliqué. Vu que vous avez une vidéo par jour et que je ne suis pas seule dans le truc, donc voilà, vous comprendrez la semaine prochaine, à partir de mardi.
Et donc voilà, j'aimerais bien prendre encore un peu plus d'avance, mais j'ai horreur de faire ça, me démaquiller pour refaire une vidéo. En principe, je le fais jamais. Quand j'enchaîne les vidéos, c'est que je fais une où je me maquille et une où je ne dois pas me maquiller. Mais là, en ce moment, c'est que des make-up. Donc voilà. Donc je sais pas. On verra bien comment je suis lunée, à quelle heure déjà le repart et tout ça. Puisque en plus, j'ai Georges qui est à la maison, vu qu'il s'est chopé un gastro de son frère. J'ai mon fils, le grand, qui va revenir encore. Voilà. Puisque c'est encore fini avec sa copine. Bon, je crois que cette fois-ci, c'est vraiment terminé. On verra bien. Mais... voilà, voilà. Donc, pas très intéressant ce que je vous raconte ce matin. Mais j'ai rien d'autre à vous dire de particulier. J'ai mon poêle qui fait des bruits chelous alors qu'il n'est même pas allumé. Là, je vais couper les petites lanières de mon pull. Parce que j'ai horreur de ces trucs-là. Ça dépasse toujours. Ça, c'est fait. Voilà, donc je vais aller pendre ma machine, aspirer mon poêle, comme ça je peux l'allumer et me réchauffer les vesses. Et brosser mes dents, faire mon teint, et j'irai faire ma vidéo. Moi je dis, c'est déjà pas mal, à 8h au matin. Hein, voilà. Donc je vous reprendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, je sais pas si je vous prendrai quand j'y vais là, on verra bien. Mais, je suis momole aujourd'hui, hein. Très momole. Hein. Ouais, mais je dors très mal de nouveau. Je dors longtemps, puisque je vais me coucher très tôt, vers 10h. Bon, hier, je suis montée à 10h30, mais normalement, vers 9h30, 10h, je suis crevée. Mais du coup, je dors très mal. Je fais que me réveiller. J'ai l'impression de ne pas dormir, en fait, d'être dans mon lit et de ne pas avoir dormi. C'est bizarre. Bref, vivement la semaine des congés, que je puisse rester au lit le matin. Ils ont encore une semaine d'école. Enfin, ils doivent finir cette semaine, normalement. Et lundi, ils n'ont pas cours. Puisque c'est formation des profs, et il leur reste la semaine après à terminer, pour, et puis ils sont en congé une semaine. Ils parlent de la prolonger, on ne sait pas, on n'a pas de nouvelles, donc on attend. Voilà. Sinon, j'ai vu que ça allait être le bordel avec les masques, apparemment, en France. Je ne sais pas trop, ils parlent ce soir, Macron, là. Enfin, Macron, les ministres, je ne sais pas. Apparemment, il faudra les masques FFP2. Ça devient n'importe quoi, quoi. Ils veulent vraiment écouler le stock qu'ils ont acheté en trop, hein. Voilà, bon, bref, on va pas parler de ça, ça m'énerve de trop, et moi je vous reprends tout à l'heure. Alors là, il est 13h30, et j'ai Georginou qui me colle alors qu'il a la gastro. Enfin, je pense qu'il a la gastro, mais t'es chaud quand même. Hein. Il est vraiment pas bien, le pauvre petit chou, là, enfin petit. Donc voilà, dis bonjour. Dis bonjour à la caméra. Bouh. Donc voilà, je vais téléphoner tout à l'heure au médecin pour prendre rendez-vous pour lui. Puisqu'il lui faut un certificat, du coup. Et cachet, je pense qu'on... Enfin, il leur faudra de toute façon. Mais on avait ce qu'il fallait pour... T'as repris tes cachets? Non, je repris. Tu t'es levé à quelle heure? 11h. Ouais, bah attends encore un peu, alors. Et là, moi, je vais aller faire une sieste, voilà. Puisque demain matin, du coup, je devrais pas me lever. Donc, je peux faire une petite sieste, aller me coucher un peu plus tard ce soir. Tracture. Et du coup, mon ami demain, t'auras pas besoin de te lever, quoi. Bah non, puisqu'on va au médecin demain. Faut que je téléphone au médecin tantôt. Non, mais écoute-moi, je pourrais bien dormir. Donc voilà, c'est un vlog assez court encore une fois aujourd'hui. Mais là, je viens de faire le montage des J'y ai passé. Je viens de faire le montage de la vidéo du 11 février, du jour de mon anniversaire. Et voilà, maintenant Georges, il va kiki tout l'après-midi, je suppose. Vu la tête, ça veut dire oui. Donc moi je vais aller me coucher un petit peu, je pense. Et après, il faudra que je monte la journée de vlog d'hier aussi, parce que je ne l'ai encore pas fait. Voilà. Donc je pense que le vlog de cette semaine sera assez court et extrêmement chiant. Mais au moins vous avez vu un petit peu Georges, depuis le temps que je vous dis qu'il s'incrustera dans un vlog. C'est vrai que tu t'es pas trop incrusté, hein, depuis que j'en fais. Tu préfères t'incruster sur les lives. D'ailleurs, je fais un live samedi. Oh, je vais venir me péter la cruste. Et me faire un café? Non. Et obligé. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Enfin, tout de suite dans le vlog. Et Sam, il vous dit au revoir, je suppose. Tchuss. Alors, il est 7h09. Je pouvais rester au lit ce matin, puisque je devais pas me lever pour l'école. Mais je me suis levée quand même à 6h40. Avec ma belle tête défraîchie du matin, comme d'hab, vous commencez à avoir l'habitude. Au, 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 au.
Donc, programme de la journée, j'attends l'appel de Amy, comme tous les vendredis matins, pour boire le café ensemble et faire les soins ensemble. Voilà, c'est notre petite routine du vendredi matin. On boit le café du matin et on fait nos soins ensemble, je viens de vous le dire, je me répète. Après, il faut que j'aille faire ma vidéo de jeudi prochain, pour la semaine de la Saint-Valentin, et je vais m'avancer aussi sur mes swaps. Mes swatches et make-up, donc je vais filmer tous les swatches et make-up des palettes prévues de la semaine d'après. Donc je vous montrerai juste les swatches en avant-première dans ce vlog. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer aussi comment je prépare mon live, puisqu'on a un live demain. Donc je pense que je vais préparer ça cet après-midi pour vous montrer. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas encore une fois pas très passionnant hein, ce que je vous raconte, mais voilà. Ah, hier, on a le chien qui s'est sauvé. Il n'a pas dû se sauver très longtemps, s'en est vite rendu compte, heureusement. Là, il monte. Il s'était perdu dans les bois, ce con, parce que juste derrière chez nous, on a le grand jardin, et puis juste derrière, c'est le bois. Ben, monsieur s'était perdu dans les bois. Voilà. Il est très con, ce chien. Donc, heureusement, mes hommes l'ont retrouvé. Et je crois que c'est tout. Hier, j'ai fait une bonne grosse sieste de 3 heures. La vieille grand-mère, vous savez. Mais je vous dis, mes nuits, elles sont trop bizarres. Je dors sans dormir, en fait. Je me réveille tout le temps. Tout le temps, j'ai l'impression de ne pas dormir. Et là, je ne suis pas fatiguée. Je suis flagada, mais je ne suis pas fatiguée. Enfin, c'est trop bizarre. Lilou qui redescend avec ses tic-tic-tic-tic-tic. Oui, je vais allumer le poêle. Tu vas pouvoir te réchauffer les fesses devant le poêle. Oui, bientôt. Hop là. Donc voilà le programme de la journée. C'est pas passionnant. Ce soir, monsieur doit aller avec Georges chez le médecin. On va aller récupérer Enzo aussi, faire d'une pierre deux coups comme ça. T'as froid? Oh, elle a froid, la chicorée. Oh là 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 là. Et donc, je pense qu'il a une gastro, tout simplement, hein, virus intestinal qui va encore dire le médecin. Donc voilà, on verra bien. Je vais peut-être envoyer un mail à l'école pour le prévenir qu'on a rendez-vous que ce soir chez le médecin. Lundi, il n'a pas cours, comme je vous l'ai dit, parce que de toute façon, il n'y a pas cours, il y a formation des professeurs, là. Donc ça tombait bien, vu qu'il a rendez-vous chez le dermato l'après-midi, donc il ne loupe pas l'école. Ça, c'est déjà un bon point, puisque là, il vient de louper encore deux jours. Donc après, il restera mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis après, il sera en congé une semaine. La France a parlé hier, je ne sais pas trop ce qui a été dit. Bon alors, j'écoute même plus, ça m'énerve. Franchement, ça m'énerve toutes ces histoires avec le Covid. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que la Belgique va parler, peut-être ce soir ou demain. En principe, il parle deux jours après, deux, trois jours après, on verra bien. Parce qu'on ne sait plus, en fait. Surtout que nous, comme on est juste aux trois frontières, Belgique, France, Luxembourg, on doit savoir les règles des trois pays. Mais on ne suit plus. On ne suit plus, ce n'est pas les mêmes partout. Donc c'est compliqué. Hein. Là, apparemment, on peut quand même passer la frontière en tant que frontalier sans test négatif. Ça, j'ai compris. Le reste, je n'ai pas écouté, en fait. Voilà, donc si vous avez des infos, bah, dites-le moi en commentaire. Je vais essayer de trouver une liste qui regroupe toutes les nouvelles règles, parce que ça change tellement souvent qu'on ne comprend plus rien. Voilà. Je suppose que je ne suis pas la seule dans le cas. Hein. Mais, comme je disais à DJ hier, il serait temps que tout ça se termine, parce que ça fait quand même un an qu'on est dedans, là, ça commence à... Voilà, qu'on reprenne un peu une vie normale. Ça commence à peser à tout le monde. Hein. Je le vois sur Insta, il y en a beaucoup qui font des posts sur le sujet et tout ça. Ça commence à peser à tout le monde de plus voir personne, de plus pouvoir avoir une vie normale, tout simplement. Mais bon, au moins, ceux qui sont pas seuls ne sont pas seuls. Moi, je pense toujours aux personnes qui sont vraiment isolées et ça me fait mal au cœur pour eux parce que je me dis qu'ils doivent vraiment se sentir seuls toute la journée. Quoi. Ça doit être compliqué à gérer pour elles. Donc, courage à ces personnes-là. Et voilà, bon, je vous laisse, je vais attendre l'appel d'Amy et faire mes petits soins et tout ça, et je vous reprends dans le bureau, je pense, pour faire, pour vous montrer les swatchs de mes petites palettes que j'ai eues dans le swap. Ok, j'ai fini ma vidéo, il est
10h03. J'ai un peu traîné ce matin. Enfin, c'est pas moi qui ai traîné, hein. C'est que j'arrivais pas à faire contrer le chien. Et après, pendant le make-up, j'ai le facteur qui est venu. Alors, j'ai reçu mes housses pour mon canapé, mais j'en ai reçu deux sur les trois. Donc, je vais aller voir sur AliExpress si c'est envoyé en deux colis ou s'il faut que je fasse une réclamation. Je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que c'est les deux qui font comme ça, parce que l'autre c'est moins grave vu que c'est la place des chiens officiels. S'il n'y a pas la housse tout de suite, c'est moins grave, mais si on peut déjà mettre les deux, nous on se met, ça serait cool. Enfin voilà, on verra bien. Et ma belle-sœur est venue me déposer ma commande Maki Beauty que mon frère a été chercher pour moi au point relais hier. Donc je vais vous montrer mes quatre petits soins, quatre soins que j'ai eu. Donc on va redescendre, je vais vous montrer ça. Je vais faire le montage de la vidéo de jeudi prochain. Et comme ça, quand ça enregistre, je peux revenir faire les swatchs dans le bureau. Voilà. Je trouve que le planning est pas mal. Là. Donc on se retrouve tout de suite en bas. Ah, le chien mange des croquettes maintenant. Non mais lol. J'ai d'attendre qu'il finisse sa poulette pour filmer. Il me suit, mange des croquettes. Donc il est 10h33 et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc on va commencer par les deux housses d'AliExpress. Je viens de me taper le genou sur mon bureau, j'ai mal. J'ai reçu la L. Ça, c'est génial puisque c'est celle qui vient sur l'avancée ici. Et la M, du coup, qui est celle qui va sur le côté là. Voilà, l'avancée ici et le côté là. Donc il ne restera plus que l'autre côté, mais c'est celui que vous voyez pas, donc c'est moins grave. Voilà. Et du coup, ben c'est des housses comme ça que j'ai pris uni kaki. Voilà. Je trouvais que ça irait bien avec le taupe qui est sur le mur. Donc voilà, je vais essayer que monsieur m'installe ça ce week-end. C'est pas gagné, mais on va essayer. Comme ça, vous verrez le résultat dans le vlog de la semaine prochaine à partir de lundi. Il boit. Je vais boire aussi pendant ce soir. Et donc, ma belle-sœur est venue me déposer mon colis Maki Beauty. Alors, il n'y a pas que ça que j'ai commandé, mais il y avait deux autres choses qui n'étaient pas pour moi. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. J'ai commandé quatre produits de chez Crédul. Donc, je ne connais pas du tout la marque. Hein. Il semblait que c'était 5. Ah oui, et pour les housses, je viens de vérifier, la troisième a été envoyée séparément. Donc, à mon avis, c'est pour éviter les frais de douane. Parce que je vous ai dit, j'en avais pour 47 euros, presque 50 balles. Donc je pense que c'est pour éviter les frais de douane, vu que la dernière était à 29, je crois, ou une vingtaine d'euros, enfin je sais plus, enfin bref, voilà. Donc dans l'ordre, j'ai pris deux contours des yeux, alors ils étaient à 1 euro pièce, sauf, je sais plus si c'est le sérum ou la crème qui était à 1,50 €. Mais bon, normalement ils sont à 1,99 € pièce, là ils étaient à 50%, donc écoutez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc j'ai d'abord pris celui-là qui est le Hydralift Hyaluron Anti-Wrinkle Treatment Anti-Fatigue et Dark Psych. Oh, enfin, c'est pour défatiguer et les cernes. Donc c'est à l'acide hyaluronique. Action intense. Donc qu'est-ce qu'ils disent en franquet? Il n'y a pas de franquet. Il n'y a pas de franquet. Fabriqué en Union Européenne. Bah ouais, mais il n'y a pas de franquet. J'ai pas envie de traduire en anglais. Je ne sais pas, c'est pas écrit en français. Donc il se présente comme ça, je vais peut-être vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Hein. Donc ça fait normalement 15 ml. Hein. 25 ml. Hey, c'est une sacrée quantité, normalement c'est 15 ml les contours des yeux. Ah ouais. Bah écoutez, là je vais terminer ma gamme Ziaja, hein, parce que j'avais deux contours des yeux Ziaja et la crème hydratante. Et je pense qu'après, je ferai cette routine-là. Je ne vais pas la faire tout de suite, je ne vais pas tout entamer. Quoi. Alors ensuite, j'ai pris Retinol Forte Anti-Âge Brightening Ace Contour Sérum Illuminant Dark Cycle Stop au cernes, à la coloration des cernes. Pigmented Spots et Prématurate Aging. C'est un antioxydant à la caféine. Il faut qu'il ait emmerdé la petite en haut. C'est toujours pas écrit en franquais. C'est écrit en espagnol et en anglais, mais pas en franquais. Je vais peut-être vous montrer. Oh. Voilà, voilà.
Et celui-là fait, je crois qu'il fait 25, ouais, il fait 25 ml aussi, donc j'en ai pour un petit bout de temps, hein. Ah, j'ai pas regardé l'embout. On va regarder. Hein. Ah, ben ça va, c'est une petite pipette. Et l'autre. Pareil, c'est le même contenu, le même packaging. C'est top, 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 top. Alors, ensuite, j'ai pris un sérum Expert Plus Anti-Âge. Remodeling Serum for Face. 10% d'AHA de fruits acides collagène Flixmexel. Je sais pas, c'est quoi. Hein. Express Lifting Effect. Donc, il remodèle le contour. Il relaxe les muscles faciaux et il stimule la régénération des cellules. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Hein, s'il est vraiment bien. Il y a du collagène aussi dedans. Je vous l'ai dit déjà. Oui, je l'ai déjà dit. Il est comme ça. Je ne sais plus c'est lequel, hein, si c'est le sérum ou la crème hydratante que j'ai payé 1,50€, mais bon, même pour le prix. Donc c'est un petit flacon pipette comme ça, et il y a dedans 30 ml. Donc là, c'est une contenance classique, très soft, très bien. Je me suis dit, ça revient même moins cher que les soins de chez Action, quoi. Ils sont bons, ils sont forts, ils sont un peu le parfum d'homme. Ouais, ils sont super forts par contre, ça risque d'être écœurant, on verra bien. Et pour terminer, j'ai pris la crème de jour, puisque je ne mets jamais de crème de nuit, je mets mon gel d'aloe vera ou mon huile de nuit caudalie que j'arrive pas à terminer. C'est le Retinol Forte, donc toujours anti-âge, Multi-Active Balancing Day Cream for Face, Neck and Décolleté. Décolleté. Donc c'est la même gamme que le contour des yeux comme ça, là, Bright. Matte Effect, c'est au Shea Butter, Perfect Makeup Base Cream, donc c'est pas mal. On verra bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire, de toute façon, une crème au rétinol, c'est jamais perdu à mon âge avancé. Et celle-ci, elle fait 50 ml, donc classique, et c'est un tube comme ça. Il est scellé, c'est un embout plus que classique, donc je ne vais pas l'ouvrir maintenant. Ben voilà, de quoi me faire une petite routine de la marque Revuel. Oh, oh, mais il faut quand même que je vérifie, parce qu'il me semble que j'avais pris aussi un sérum hydratant. C'est bizarre, parce que je prends toujours un sérum différent pour le matin et le soir, et un contour des yeux différent pour le matin et le soir. Donc, on va quand même vérifier. Mais celui-ci a l'air moins plein que celui-là. Bon. C'est pas la même texture de packaging, mais on verra. Voilà, pour le prix, j'ai envie de vous dire, je me suis pas ruinée, je suis bien contente. La chienne vient d'être effrayée par la gamelle de flotte. Moi, pas comprendre, mais pas comprendre. Donc là, je vais faire le montage de ma vidéo. Et puis, comme ça, après, je pourrai aller filmer les swatchs de mes swatchs et de make-up de la semaine à venir. Enfin, non, de la semaine d'après, la semaine de Saint-Valentin. Je suis plus, je suis emmêlée. Mais voilà, pour la deuxième semaine de vidéo non-stop, là. J'ai mon œil qui me gratte. Et voilà. Donc, après, il faudra que je pense à manger un bout aussi. Ce serait éventuellement très intelligent. Donc on verra. Je vous reprends quand je vais faire les swatchs et make-up de mes palettes. Il y en a trois. Donc vous aurez en avant-première les swatchs des palettes. Je suis trop gentille avec vous. Comme ça, ça vous donnera peut-être envie de regarder plus les vidéos et swatchs et make-up. Et voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Oui. Hein. Alors il est 14h02. Très précisément, encore une fois. Donc j'ai rattaché mes cheveux et j'ai enfilé mon pilou-pilou maintenant qu'il est sec. Voilà, ils sentent tout bon, la lessive. Et ça fait plus d'une heure que j'attends que mon crétin de chien se décide à rentrer pour aller filmer mes swatchs. Il n'a pas l'air motivé, n'est-ce pas? Et du coup, ça m'emmerde parce que je dois attendre qu'il rentre pour pouvoir aller dans mon bureau filmer les swatchs. Et j'attends de faire mes swatchs pour pouvoir aller à la douche. Parce que je vais avoir de la paillettasse partout, donc autant profiter de la douche pour les enlever.
Donc il m'emmerde et là il voit que je parle, donc il revient par ici voir à qui je parle. Ah non, il refait demi-tour. Il s'arrête au milieu du jardin pour faire demi-tour. Donc du coup j'étais sur Esprit Criminel et là je suis au dernier épisode de la saison 7. Donc ce soir je vais commencer la saison 8. Voilà, voilà. Sinon, ben, rien d'autre. Hein. Georges Yann, je sais pas, à mon avis, s'est endormi, mais il a tout laissé la PlayStation et tout allumé. Il y a son ketchup qui traîne, là, encore. J'attends que chérie rentre pour voir comment faire avec les colis, aussi. J'espère qu'il aura le temps d'aller vite les déposer. J'ai eu le message, vous savez, sur Vinted, pour dire de le déposer en toute urgence. Donc, quand vous avez ce message-là, vous avez 24 heures, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas. Mais vous pouvez cliquer sur le colis et déjà envoyer, mais il faut les envoyer au plus tard le lendemain, quoi, quand vous faites ça, parce que sinon ça fait un trop grand délai. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas forcément besoin de laver mes cheveux pour mes racines, mais je vais les laver pour réhydrater mes longueurs, là, parce que les tresses, à la longue, ça les assèche. Je sais pas pourquoi, après, ils font un espèce foin. Ah, bah ça y est, il veut rentrer, je reviens. Voilà, il est rentré. Donc, je vais aller en haut finir mon... Enfin, faire mes switches. Donc je vous reprends d'ici 10-15 minutes, le temps que je monte et que j'installe tout en haut. Voilà. Attendez, je dézoome un petit peu quand même. Voilà. Alors, il est 16h. 16h02 pour être précis. En fait, entre le moment où je vous ai dit que je montais dans mon bureau faire des swatchs, et maintenant, il y a eu une sieste. Voilà, je suis montée, mais je ne me suis pas retrouvée dans la bonne pièce. Je me suis retrouvée dans mon lit plutôt que dans mon bureau. Donc là, je vais quand même vite faire les swatchs avant que chérie rende du boulot et clôturer ce vlog aussi, préparer tout pour le live de demain. Et voilà. Par contre, je ne sais pas trop le live. J'ai envie de faire mes ongles avec vous, mais je ne sais pas si je vais filmer ma tronche ou mes mains. Je ne vais pas faire de pose américaine ou quoi que ce soit. Je vais juste remettre du vernis. Donc, je ne sais pas parce que du coup, ce n'est pas la même installation. Donc ça, je verrai plus tard. Là, je vais installer comme si je filmais avec mon téléphone et je pense que je vais vous mettre un sondage tout à l'heure sur Insta. On va faire ça comme ça. Donc, j'ai la tête complètement défraîchie et j'ai remis mon pyjama. Et après, j'irai à la douche aussi. Donc, voilà. Là, je vais faire ça en attendant que chérie rentre du boulot. Je suis emmêlée avec mes colliers. Ça, c'est toujours la merde quand on en a deux. Voilà. Bref. Donc, je passe au swatch pour commencer de la Jawbreaker. Voilà, donc je vous montre ça une fois que j'ai fini mes swatchs. Donc voilà pour les swatchs de la Jawbreaker. Cette teinte orange avec les paillettes là, elle est juste magnifique. Et celle-ci aussi, j'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'intrigue. Donc voilà. Hâte de tester ça, c'est très joli. Donc ensuite, je passe au swatch de la Book of Magic. De Beauty Bay. Ouh, c'est là aussi j'ai hâte. Trop beau. Trop beau. Voilà les swatchs de la Book of Magic de Beauty Bay. Magnifique. Alors ces deux teintes-là, j'adore. Celle-là aussi, celle-là. Ouh, j'aime beaucoup. Je suis plus attirée par les bleus que par les violets. Mais, oh, les deux-là, je crois que ça va être mes préférés de la palette. J'ai hâte de tester ça. Donc ensuite, j'enchaîne avec la 24A Artist Pass de Morphe, qui est comme ceci. Donc là, je ferai les paillettes après. Hein. En dernier, les paillettes, hein, parce que, oula, je vais en avoir partout. Et voilà pour la 24A de Morphe. Mon Dieu, les paillettes. Là, c'est les 4 gros fards ici. Les 4 derniers, c'est les 4 gros fards centrales. Trop beau, c'est des toppers. Ici, c'est les paillettes avec les étoiles. Magnifiques, les reflets. Vous voyez ça? Oh, j'adore. Maintenant, pour enlever tout ça, je vais en chier. Alors, attendez, je me remonte un peu. Je sais pas comment j'ai foutu mon appareil aujourd'hui. Voilà, vous voyez un peu mieux. Donc, la seule palette que j'ai pas fait, les swatches, c'est la NYX Utopia. Mais celle-ci, je vais faire une palette 3 looks avec. Donc, ce sera la première que vous verrez en action de façon la semaine après la semaine de la Saint-Valentin. Et ensuite, je les ferai dans l'ordre que je viens de les swatcher. Donc, la Mini Breaker, la Beauty Bay et la Morphe. Voilà. Donc, je vais enlever les paillettes. Je vais en avoir absolument partout.
partout. Même les néons, hein, ils sont top, hein, franchement. Et ici, le pailleté du dessus, là, c'est des dorés avec des paillettes vertes. Ici aussi, un peu, mais avec des plus petites et des plus grosses paillettes. Oh, j'adore. Ici, c'est un rose avec des petites paillettes mauve et bleues à l'intérieur. Trop beau. Oh, magnifique. Magnifique. Alors, je vais prendre ma lingette. Donc, c'est des lingettes bébé, hein, que je prends de chez Action pour enlever mes swatchs. Mais ça va étaler les paillettes encore plus partout. Heureusement que je vais aller à la douche après. Parce que je vais en avoir absolument partout. Donc, il y a déjà un agent liant dans la palette Morphe aussi. J'adore. J'adore, j'adore. Et voilà ce que ça fait hein, quand vous... Voilà. J'ai un bras Twilight. Donc, je vais vous montrer comment j'installe quand je fais un live. J'ai d'abord rangé mon bordel. C'est affreux. Il serait temps que je range un peu mon bureau. Donc, je me dépêche avant que monsieur rentre. Hein. Donc, j'utilise un trépied comme ça en frigolite et les anneaux là pour tenir le téléphone puisque je filme avec mon téléphone hein, les lives. Voilà. Et je vais poser ça sur ma caisse où je mets normalement mon miroir. Ici, sur mes deux boîtes là. Pour le mettre juste en face de moi ici. Donc, vous me voyez dans le miroir ici. Là, c'est le rafistolage de mon anneau lumineux. Donc là, je le mettrai juste sur la boîte. Et je mets ensuite mon PC portable à côté. Voilà, c'est un qui s'ouvre. Vous savez que vous pouvez mettre en mode tablette aussi. Donc, il s'ouvre comme ça. Donc, ça se voit d'ailleurs que je l'utilise plus au doigt qu'autre chose. Je le pose comme ça devant moi. Et du coup, je branche le chargeur de mon téléphone sur l'USB, je branche le PC et c'est avec ça que j'arrive à lire vos commentaires parce que sur le téléphone c'est un peu trop petit et ça passe trop vite. Donc là j'arrive à le voir, je mets la vidéo sur le PC portable pour bien suivre le chat, je vois mieux. Donc voilà, c'est tout simple. Et voilà, bah, je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc maintenant j'allais me démaquiller, aller à la douche, monter le vlog pour pouvoir le publier pour dimanche, hein, qu'il soit en forme pour dimanche. Demain, je vais tourner une vidéo, je pense, si mes hommes sont calmes en bas et en haut, puisque j'aurai le grand maintenant aussi à la maison. Donc, on va voir. Mais voilà. Donc, moi, je vous laisse aujourd'hui pour ce weekly vlog. Je pense que la semaine a quand même été finalement assez fournie, contrairement à ce que je pensais. Surtout les derniers jours, il faut dire ce qui est. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Et on se retrouve donc dimanche prochain pour le prochain weekly vlog, mais on se retrouve dès demain pour une vidéo.